Donc, la nouveauté de cette année, c'est l'ajout du panneau qui est ici. Dans le fond, c'est un panneau qui est entièrement automatique. Donc, il reçoit le courant des panneaux solaires, les transforme en 24 volts et va alimenter aussi ce qu'on consomme au fur et à mesure. Et il est aussi en mesure de prendre le 110. Donc, il gère tout. Donc, si on veut voir l'état de la batterie, l'état des batteries, vous pouvez voir ici, ça c'est la batterie. Présentement, on est aux trois quarts. Donc, il y a quatre niveaux de la batterie présentement aux trois quarts. Ici, 36 volts, les panneaux donnent 26 ampères de courant, 27. Et quand on regarde, dans la batterie, il en rentre 23. C'est la différence entre les deux, dans le fond, c'est ce qu'on consomme actuellement. Donc, la différence entre le 27-28 et le 17-16, c'est ce qu'on consomme présentement. Ensuite, quand le panneau va arriver au quart ou un peu en bas du quart, le panneau va se mettre à sonner, à biper. Donc ça veut dire que les batteries sont vides ou sur le bord de l'air. Donc ce que vous devez faire, c'est de partir la génératrice avec la prise extérieure qui est à côté des tanks à gaz. Qui est juste ici. Donc, vous branchez ça dans la génératrice, puis ensuite le panneau va entièrement gérer la distribution. Donc, va recharger les batteries, va donner du 110 dans le chalet, va faire éclairer les lumières, va tout gérer. Donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est vraiment de partir de la génératrice et de brancher cette switch-là. Donc, la génératrice donne environ 40 ampères. Donc, on peut laisser la génératrice fonctionner environ 30 minutes. Avec 30 minutes, vous êtes capable là, de recharger les batteries convenablement pour passer soit la journée ou se rendre jusqu'au lendemain là, quand il y a du soleil. Actuellement, il fait quand même assez chaud. On a passé la semaine ici. Puis, on n'a pas utilisé, je pense, à deux reprises, on a parti la génératrice. Sinon, là, quand il y a du soleil, là, ça charge quand même beaucoup. Donc, ça tient les batteries quand même passablement pleines.